compétition de short film. Et nous rêvons de gagner prix avant de gagner. Et principalement, cette activité-là, cette compétition-là, nous l'organisons pour qu'il nous sensibilise, nous engendre, la population en général. Pourquoi de ban site et ban monument? On se trouve à reconnaître que nos ban sites, nos ban monuments, les ban éléments très importants dans valeur un pays, dans l'histoire un pays. De ce fait, ils amènent tout le monde à réfléchir aux valeurs culturelles et historiques. Pour nous progresser dans la vie, il est important qu'il nous guette un petit peu en arrière, guette un petit peu dans le rétroviseur pour réaliser qui nous est là comme héritage, qui nous est là comme nos cultures, pour nous garder avancer dans la vie. Dans mon pays là-bas, c'est ce qu'on y a. La citadelle qui fait la citadelle parce que c'est une place que tout le Polynésien connaît. Alors parmi d'autres, ben, de cette place, l'héritage qui est de Maurice. Donc moi personnellement, en tant que réalisateur, je me suis choisi la citadelle parce que ce ben l'histoire qui est dans l'île, hyper intéressant. Et aussi nous trouver que c'est un voyage extraordinaire et moi invite pour regarder le film La Citadelle. Dans le film en lui-même, nous pouvons faire un voyage à travers le temps, comment hier et de quelle façon La Citadelle finit partir. C'est à travers une compétition comme ça, dans sa façon-là, qu'il y a un moyen pour qu'il nous capable à l'encontre de l'histoire de nos pays. L'histoire, tant qu'il nous connaît l'histoire, c'est là pour faire aider nous pour comprendre le pays en lui-même dans le passé, qui finit arriver, qui fait une arrive comme ça. Alors, c'est le moment qui nous comprend la raison d'être de ce qui finit passer dans l'histoire, dans la vie présente, nous pour comprendre la nature, nous pour comprendre ben, l'héritage qu'il y a, et aussi nous pour comprendre nous, l'île Maurice, comment y est-il. Donc, nous essayons de montrer un peu Vieux Moulin. Belmort, moi, etc. Et qui va une activité qui est là-bas. Donc, nous essayons de prendre un peu réel et puis nous prenons un peu animation. Nous faisons un mélange réel et animation pour arriver à un résultat assez correct. Donc, mon pensée, mon avis. Nous travaillons pour être bon, les premiers trois. Et bon, j'ai raison de parler de ce premier, mais déjà, c'est toujours quelque chose. Et j'espérais nous vous améliorer un peu plus la prochaine fois, nous pour si c'est à nous faire premier. Et bon, nous avons la première place, mais pas grave. Bon, un petit message à l'Anzen, nous devons essayer de faire des choses qui nous gardent nos cultures, nous gardent notre patrimoine sain et sauf. Nous devons pas disfier les autres du monde, nous-mêmes, nous devons prendre l'initiative et comment dire, nous devons essayer de conserver le côté culture. Motivation d'ailleurs pour faire ce petit coup de métrage. Hein. Et au fait, en tant qu'enseignant, j'ai lancé ce bagage, j'ai l'idée de l'héritage de l'île Maurice. Moi, l'équipe, nous pensons pourquoi pas nous mettre ce qui concept et l'idée qui nous est là, nous mettre les en image. C'est-à-dire, ce qui Bandimoun, Langete, Banzele et Fingete dans le livre, nous pensons pour mettre dans un film. Parce que nous connaissons quand nous regardons un film, les plus frappants, et tous les temps, ça peut graver dans nos mémoires. Voilà un petit peu la motivation qui vient pousser nous pour réaliser ce petit film-là, et en collaboration avec la MFDC. Et aussi avec le National Heritage Fund. Et message qui me donne c'est persévérer, pas arrêter là, parce que la cinématographie à Maurice, ça peut prendre de l'ampleur. Et moi je dis à ben jeune, vous êtes capable de consacrer vous les temps un petit peu plus dans le côté de la vidéographie, la photographie, ça pourra pour vous autres. Si nous à la pauvreté et surtout si nous avons assez de temps pour faire les, pourquoi pas, nous sommes capables de répondre pas encore une fois. Peut-être, parce que nous pas qu'à sous-estimer les autres et espérer peut-être nous baiser là.